Bonjour à tous et bienvenue sur tapsuracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie, alors bah, c'est le début de l'année 2016, du coup je vous souhaite à tous une très bonne année 2016 en espérant qu'elle soit remplie de guitare, de plein de musique, de plein de choses super cool pour vous. Et si vous regardez la vidéo plus tard, bah non, rien de tout ça pour vous, c'est pas bon, non, que dalle, au revoir. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui est très important et qui s'appelle la motivation. Si vous êtes plus ou moins débutant, ou même si vous êtes d'un niveau avancé, on vous a peut-être déjà dit que, en guitare, et d'ailleurs pour n'importe quel instrument ou n'importe quelle discipline en général, la motivation, c'est la clé pour progresser. Je suis pas 100% d'accord avec cette affirmation. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, parce que c'est très important. Parce que voilà ce qui se passe parfois. Les gens sont motivés, ils travaillent, ils progressent, c'est super cool. Tant que c'est comme ça, ça va. Le problème, c'est que la motivation, c'est un truc qui est un peu aléatoire. Bah des fois vous n'êtes pas motivé, ça arrive. Genre vous avez une grosse journée au travail, le soir vous rentrez chez vous, vous n'avez pas envie de vous mettre sur la guitare, vous n'êtes pas motivé. Des fois vous êtes motivé quand il faut pas, genre à 1h du matin, quand vous n'arrivez pas à dormir, ou alors quand il faut aller chercher les gosses à l'école, des trucs comme ça. Donc du coup la motivation c'est super cool quand c'est là, on peut bouger des montagnes avec, mais quand c'est pas là, bah faut bien faire des trucs. Parce que le danger qui se passe, c'est que si vous travaillez pas quand vous n'êtes pas motivé, bah vous progresserez pas, ou peu. Et du coup, ça va vous démotiver encore plus de voir que vous ne faites pas de progrès. Et petit à petit, vous rentrez dans un cercle vicieux et c'est comme ça que les gens abandonnent. Et c'est dommage, moi je veux pas que ça arrive ça. Donc je vais essayer de vous expliquer 2-3 petites choses pour éviter qu'on arrive à ce point-là. Et donc déjà, le premier point qu'on va aborder, c'est un truc qui va pas faire plaisir à tout le monde, mais bon, il faut le dire. Pour progresser en guitare, il faut travailler. Il faut s'entraîner, il faut faire des exercices, il faut répéter des morceaux, des enchaînements d'accords, etc., etc., etc. On en a déjà parlé, mais pour progresser, il faut du travail. Et du coup, quand vous êtes motivé, il faut travailler. Mais quand vous n'êtes pas motivé, il faut travailler quand même. Le truc qui est encore plus important que la motivation, c'est la discipline. Si vous arrivez à vous forcer à travailler, même quand vous n'êtes pas motivé, alors vous ferez des progrès constamment, tout le temps. Vous n'aurez jamais de temps mort, vous n'aurez jamais de moment où vous serez déçu de ne pas avoir progressé plus que ce que vous pensiez. Et ça, c'est cool. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont grincer un peu des dents comme ça, parce que on associe souvent la musique et la guitare à du plaisir, du loisir, on est là pour s'amuser. Et c'est vrai que c'est le but, on veut se faire plaisir, on fait pas ça pour... Si c'est une corvée, c'est que vous le faites mal, c'est pas le but. Mais pour arriver à se faire plaisir, il faut faire des petits sacrifices. De temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, il faut se forcer, il faut se foutre un petit coup de pied au cul pour travailler quand même, même si on n'a pas envie. Sinon, cercle vicieux, on progresse pas, on se déçoit, on démotive encore plus, on bosse encore moins, etc. etc. Donc je vais pas faire tout un cours sur comment se forcer à faire de la guitare parce que c'est vraiment pas très très sympa d'en parler. Il faut juste comprendre que si vous voulez faire des progrès, tôt ou tard, votre motivation vous lâchera et il faudra faire sans. Et tout ce que je viens de dire là, ça suppose que vous ayez envie de faire des progrès, parce qu'il y a des gens qui sont très contents de leur niveau actuel ou qui n'ont pas envie de progresser très vite, et là, il n'y a pas de problème. Vous faites ce que vous voulez, je veux pas vous forcer à faire quoi que ce soit. C'est pas le but du tout. Mais si vous voulez faire des progrès, il faut bien comprendre ça. Ceci étant dit, on peut quand même essayer de se motiver le plus possible pour en profiter, parce que la motivation quand c'est là, c'est super cool. Donc on va voir quelques petites astuces, c'est le sujet de ce cours, pour entretenir sa motivation, vraiment l'exploiter à fond. Un des premiers conseils que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut apprendre à être patient. Ça, il y a des gens, ils sont patients naturellement, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Il y en a d'autres qui sont plutôt impatients, qui veulent aller vite, atteindre leur but le plus vite possible. En musique, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez pas tricher, vous pouvez pas prendre de raccourcis, vous pouvez pas accélérer. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ça, plus tôt vous en prendrez conscience, mieux ce sera. Plutôt que de viser des buts et des goals qui vont mettre des années à être atteints, visez des choses beaucoup plus simples. Contentez-vous de ce que vous savez faire déjà. Apprenez à apprécier ce que vous faites tous les jours, plutôt que de vouloir toujours plus. Parce que ça, c'est vraiment un coup à se retrouver déçu, démotivé, de pas savoir faire tout ce qu'on rêve de faire. La vie, c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc, prenez votre mal en patience, prenez du recul, mettez les choses en perspective, et ça se passera beaucoup mieux. Un autre point qui gêne souvent les gens, c'est qu'ils ne se rendent pas forcément compte des progrès qu'ils font. J'ai eu des tonnes d'élèves, plein de fois, qui m'ont dit « Ouais, mais j'en ai marre, ça fait des mois que je bosse ça et je progresse pas. » Alors que si, ils progressent. C'est juste que quand on fait des progrès tous les jours, bah, on s'en rend pas vraiment compte. Alors, il y a deux petites choses que vous pouvez faire pour vous aider à prendre conscience de ça. Première chose, tenez un petit journal de bord, écrivez ce que vous faites.
Vous écrivez tous les jours, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait tel exercice, j'ai fait tel morceau. Si vous travaillez au métronome, notez les tempos auxquels vous faites tout ça. Comme ça, vous verrez littéralement le nombre grossir de jour en jour. Et vous pourrez, dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans, revenir en arrière et vous dire « Oh la vache, il y a 2 ans, j'arrivais même pas à faire un accord au Do majeur. » Et vous allez là prendre conscience de tout le chemin que vous avez fait depuis. Ça aide beaucoup à se motiver quand on se rend compte de tout ce qu'on a fait avant. Et en plus de ça, si un jour vous commencez à en avoir marre et que vous êtes sur le point d'abandonner, vous pourrez voir tout ce que vous avez déjà fait et ce serait quand même dommage de gâcher tout ça. La deuxième chose que vous pouvez faire pour voir les progrès, c'est de vous enregistrer. Je ne parle pas forcément de faire un enregistrement studio que vous allez graver sur CD pour distribuer, non, non. Juste vous enregistrer, même si c'est avec votre portable ou même si vous n'avez pas de matos, c'est pas grave. Gardez une trace audio ou vidéo de ce que vous savez faire à un instant T. Et là encore, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous pourrez revenir en arrière et regarder ce que vous avez fait et vous dire « J'étais nul là, putain !» Et vous pourrez vraiment vous rendre compte des progrès que vous faites entre 1 mois, 2 mois, 3 mois d'intervalle. Il y a un truc qui peut vous aider aussi, ça va dépendre des gens, ça dépend de votre caractère, mais c'est de compter sur la motivation des autres. Notre motivation à nous, on l'a dit, elle est aléatoire, elle n'est pas toujours là. Par contre, les autres gens, ils sont toujours là. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est expliquer à vos amis, à proches, à votre famille, etc., que vous apprenez la guitare. Expliquez-leur que vous avez tel et tel but, que vous faites telle et telle chose. Comme ça, quand vous allez les voir, eh ben, ils vont vous en parler, ils vont vous dire « Alors, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu as fait récemment? Tu peux nous montrer ?» Et ils vont vous mettre un petit peu de pression. Donc là, ça dépend de votre caractère. Hein. S'il y a des gens, la pression, c'est super cool, ça les motive à fond. Il y en a d'autres, par contre, ils n'aiment pas trop ça. Mais si vous êtes plutôt du genre à aimer ce genre de pression, alors parlez-en à des gens. Comme ça, les jours où vous aurez la flemme de faire de la guitare, ils vous foutront des coups de pied au cul et ça ira mieux. Le dernier truc que j'ai à vous proposer pour vous motiver, c'est de travailler complètement autre chose. Parce que des fois, la démotivation, elle vient en fait d'une lassitude. À force de bosser les mêmes choses, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et ben au bout d'un moment, on a un peu marre, hein, c'est un peu chiant, faut le dire des fois. Donc du coup, si vous commencez à vous lasser et à plus avoir envie de faire ça, faites autre chose, mais ne faites pas rien. Partez sur un autre style de musique, si vous faites du rock, allez faire du funk ou du jazz. Vous apprendrez plein de trucs au passage, ça sera complètement frais, complètement nouveau, ça sera super motivant. Et comme ça, vous pourrez plus tard revenir sur ce que vous aviez mis de côté pendant quelques temps. Donc voilà, ce sont les petites astuces qui bouffent pas de pain, hein. C'est pas très difficile à mettre en place, mais au moins vous serez sûr de pouvoir exploiter au maximum la motivation que vous avez pour cet instrument. Mais n'oubliez pas quand même que même quand vous n'êtes pas motivé, c'est pas une raison pour ne rien foutre. Parce que si vous faites rien quand vous n'êtes pas motivé, vous allez pas faire de progrès, voire pire, perdre de votre niveau, et ça va rentrer dans un cercle vicieux qu'on préférerait éviter. Donc faites tout ce que je vous ai dit, essayez de vous motiver le plus possible, mais n'oubliez pas que quand vous n'êtes pas motivé, travaillez quand même. Même 5 minutes, c'est toujours mieux que 0 minutes. Sur ce, c'est la fin des conseils que j'ai à vous donner, hein, c'est tout. Donc je vous souhaite à tous encore une fois une très bonne année, si vous regardez cette vidéo au début d'année, si vous regardez en novembre, laissez tomber. Hein. Et j'espère qu'on vous croisera sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tabsforacoustique. À la prochaine.